Bonjour à toutes et à tous la compagnie, comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux, pour ma part c'est le cas. On se retrouve pour une énième vidéo en direct cette fois-ci. Et nous commençons direct sur la tour gélatineuse. Et pour cause, puisque je joue dans la playlist 4 tours gélatineuses. C'est comme ça qu'elle s'appelle en français, en anglais je crois qu'elle se nomme. Ah, ce sont les grands au début. J'aime bien quand il y a les grandes boxes, c'est assez stressant quand même, assez flippant hein, au niveau des collisions et tout. Car si vous tombez, et comme la gélatine, eh bien, elle avance très vite quand même au départ, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez emporté par celle-ci. Mais bon, en tout cas, je préfère quand ils sont là que lorsqu'il y a les faisceaux bleus, quoi. Ouais. Allez, on va se concentrer. Et oui, bien sûr, je joue dans la playlist, donc si. Slim Scrapper en anglais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oh, je suis coincé. Ah ouais, on peut facilement se retrouver coincé en dessous de ces gants de boxe par rapport, eh bien, au faisceau bleu. Attention, que je ne sois pas freiné dans mon élan. Très bien. Il n'y a pas tellement d'autres haricots à mes alentours. Parfait, il n'y en a qu'un seul, mais tout va bien. On est passé. Le plus dur a été franchi. Non, peut-être pas non plus, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est chaud. Hein. Pas forcément au niveau des obstacles, mais principalement en raison de tous les haricots qu'il y a autour de vous. Et oui. Ah bah tant mieux, il n'y en a aucun qui est passé. Allez, 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 frappe. Voilà, nickel. Et là, je pourrais effacer aisément puisqu'il n'y a personne derrière. Ouais, parce que faire attention, il y a forcément beaucoup de grabeurs dans ce genre de mode. Il y avait le Pikettus. Je savais pas qu'il y en avait un là. Ah si, 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 ouais, si, je le savais, j'ai confondu, en fait, je pensais qu'il y en avait un ici où je suis, quoi, mais non. Allez, on franchit ça, voilà. Bon, je joue encore avec ce fameux skin, j'adore, c'est le short, enfin, le pantacourt, quoi. Ouais, je pense que je vais le porter assez souvent, il y en a un qui s'est qualifié, et nous, on est le troisième, me semble-t-il. Attention, il est bon d'activer les pseudos, surtout là où je suis. Là, plus maintenant, ça va, mais... Parce qu'en effet, il y en a qui se portent souvent derrière les donuts là. Et puis, bah, ils tentent de grab un maximum de monde. Donc faites gaffe. Alors après, ce qui est bien avec les grabeurs, c'est qu'eux-mêmes, ils peuvent se faire prendre à leur propre piège, non seulement. Et de surcroît, c'est que ça a tendance à réduire le nombre total de joueurs vers la fin. Ah bah oui. Il y en a, regardez, par exemple, lui, hein, il aurait passé certainement hein, s'il n'y aurait pas eu de grabeur. Alors après, j'allais dire, après, il n'a pas encore forcément perdu. Ah bah si, c'est ce qu'on vient d'apercevoir. Alors je ne sais pas si lorsqu'on... Non, 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 c'est même certain. J'allais dire, je ne sais pas si, admettons, on serait à moins de 10, si on a accès direct à la finale juste après, mais non. Non, parce que récemment, j'avais rejoué dessus, et puis c'était même ma toute première partie, hein, bah, la partie que je vous ai montrée, quoi, dessus, où j'avais commencé cette partie-là, bah, en ce gameplay, quoi, plutôt en différé. Et nous n'étions qu'à 4, à 8 seulement lors du deuxième tour, et on n'a pas eu accès à la finale juste après. Alors là, vous voyez, le super-héros, c'est un sacré grabeur, j'allais dire, ouais. Ah ouais, ça n'arrête pas. Ce serait bien qu'il tombe tous les deux, mais en tout cas, lui il est tombé, c'est très bien. Bah ouais, moi ça fait un grabeur en moins. On va pas être nombreux, je pense qu'on va être une petite dizaine, même pas. Bon, je vais peut-être éteindre le ventilateur, parce qu'après ça risque de faire un sacré potin durant tout le long de cette vidéo. Mais aidez-moi, j'ai des bouffées de chaleur, les amis, hein. Avec ma télévision, et puis voilà quoi, il fait pas. Et puis là, je ferme toujours mes fenêtres quand je commente mes vidéos. Hein. Il n'y a pas longtemps, bah, je vous l'ai dit en vidéo. Hein. C'est que je suis choqué là, de ce qui a se produire. C'est rare qu'à ce stade, il y ait un perdant. Bon, là, on est à moins de 10. Allez, je prends le pari qu'on nous sommes à 9 à peu près. En tout cas, à moins de 10. Ouais, il n'y a pas longtemps, j'ai commenté plusieurs vidéos même. Je parlais fort et tout, forcément. Et ouais, 7. Mais c'est encore pire que la dernière fois. Pire ou mieux, quoi. Et normalement, on devrait avoir accès direct à la finale. Hein. Mais après, ça ne me dérange pas qu'ils remettent un autre tour sur la tour gélatineuse, puisque peut-être qu'on sera encore moins drôle que cela. Alors, s'il ne serait-ce qu'un seul joueur soit éliminé, hein, on peut avoir toutes les finales, notamment Bazar Royal. Ah ouais. Alors, si c'est Bazar Royal, ça va être chaud. Mais je pense que il ne devrait pas y en avoir d'éliminés, ou alors un ou deux. À ce stade, bah, souvent, il n'y a presque personne qui est éliminé. Hein. Ça dépend, encore une fois, s'il y a beaucoup de grabeurs ou pas. Il n'y a pas le ventilo à la fin. Alors, il y en a qui arrivent à passer alors que pourtant le ventilateur est encore activé. Mais pour ma part, je veille à ce qu'il s'éteigne avant que je ne passe par là. On peut passer direct par ce raccourci-là, mais comme certains vont le prendre, c'est pas la peine. Waouh. Voilà, hop, 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 hop. On est bon, on est bon, on est bon. Ah là 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 là. Allez. Ah, oh, j'aime pas quand il y a quelqu'un à côté de ma pomme. Ouais, il y en a qui font toujours exprès de prendre un sacré raccourci ici. Je sais pas comment ils font. J'ai déjà essayé, mais c'est même pas la peine, quoi. On va les laisser passer. Allez, passez, 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 passez. Ouais, ils sont tous passés. Ah, on va revenir un. On va les laisser passer parce qu'on est sympa. Ou plutôt parce qu'on est très prudent. Ou les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Ah, il y a le faisceau, là, derrière, vous avez vu?
Ah! Ouf, pop, pop, j'ai failli me faire coincer avec ce faisceau, hein. Eh oui, c'est chaud, hein. Oh, oh ben, il est même pas tombé. C'est superbe. Là, pareil. Alors, je n'ai pas vu un seul perdant, hein. Oh, tant mieux, il a un sens comme ça, moi, comme finale. Oh, il y a des chances pour que l'on ait ça cool. Puisqu'on est à moins de 10. Alors, petite chute, hein. Attention, le plus dur n'est pas encore franchi. Le plus galère, c'est aussi là. Voilà. Ici même, eh oui. Ah bah non, ça va, on est passé. Ah, il y avait des grabeurs quand même, hein. Bon, en fait, tout le monde est qualifié, hein. Ah non, c'était la première place. Bah pourtant, il y en avait un qui était à la ligne d'arrivée. Mais bon, il s'est pas qualifié. Bah en fait, s'il y en a eu un d'éliminé. On est à 6. Vous imaginez, ça sera un bazar royal. Bah oh, c'est foutu, hein. C'est la finale où je m'en sors le moins avec la grimpette. Et puis... Puis là, bah comme c'est un mode quand même où il y a pas mal de tryhard, ça risque d'être chaud. En effet. Bon, malheureusement, il y a toujours des joueurs qui s'amusent à être AFK au niveau de la ligne d'arrivée. Et qui font, ils vont faire exprès de l'être jusqu'au bout de l'épreuve, quoi, lorsqu'il ne reste que 5 secondes restantes. Et ça, c'est casse-bonbon, hein. Ouais, dans les modes spéciaux, Mediatonic devrait faire quelque chose. Mais il y a plein d'autres choses qui devraient, où ils devraient réagir. Et ce n'est pas ce qu'ils font, mais ça, hein, on n'est pas surpris venant d'eux, hein. C'est un studio... C'est malheureux parce que Fall Guys, c'est un jeu vraiment très très intéressant. Malheureusement, c'est que l'équipe qui est derrière et qui s'en occupe, eh ben franchement, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses avec eux. Il ne faut pas être exigeant, hein. Oh non, et ni même impatient. Ah, il n'y en a eu qu'un seul déluné. J'avais pas vu celui-là. D'accord. Eh ben ouais, on peut avoir Bazar Royal, mais je n'y crois pas. Je pense qu'ils vont nous mettre un sac cool, un temple perdu, puisqu'elle est quand même fréquente partout, ou la grappette, ou les rois du saut. Bon, à force, je vais toutes les citer, hein. Ah ben, c'est ça cool. On va s'accrocher, hein. On va essayer de voir. Alors, avec le cher PS4, on ne peut filmer que pendant l'espace de 1h, 60 minutes, quoi, au total. Et il faut que je veille, j'ai commencé à filmer ce gameplay vers 21h, vers 20h05. Et un petit peu avant 21h, il faudra que j'arrête afin que j'ai tout au niveau du gameplay. Voilà. Bon, bah on va être prudent au départ. Il vaut mieux se tenir à l'écart des autres joueurs, non seulement, et des trous, si possible. Parce que le grab est dévastateur comme tout, hein. À la fois sur cette finale et sur... Les rois du saut. Pour ça, je préfère Hexagone ou la fourde des glaces. Où là, le grave semble moins gênant. Ah, parce que c'est plus large, c'est plus spacieux et tout. Vous savez. Voilà, j'étais quand même prudent, hein. Il y en a déjà un d'éliminé. Enfin, déjà. Ah, c'est un joueur qui s'amusait à plonger en plus. Ouais, je me méfie des autres, hein. Il voulait m'attraper, lui, vous avez vu. Oh, voilà, on est tranquille, on est tranquille. Voilà, comme ça, on est seul pour le moment. Encore un d'éliminé. Waouh, ouais, ouais, la fille, là, avec ses longs cheveux, vous avez vu ça, ce qu'elle fait? Eh bien, oui. Si seulement ils pouvaient s'attraper tous les deux, ce serait formidable. Bon, là, en fait, la finale n'est pas trop difficile, hein. Même si je la trouve comme étant la plus dure, quand même. Mais le plus chaud, c'est... le fait qu'il faut éviter les autres qui grabent. Voilà. C'est ça, en fait. Bah, c'est comme les rois du saut, du reste. Hein, c'est pareil. Alors là, si seulement elle pouvait attraper le cactus, et que j'arrive à m'en sortir, ça serait formidable. Ah, parce que vous imaginez, si elle attrape le cactus, et puis que ils tombent tous les deux dans la gélatine, ah bah, je fais top 1. Oh, ouais, je suis tombé. Ouais, ah ouais, je suis tombé, ça m'a fait flipper comme tout. Elle a été éliminée? Waouh! Il veut m'attraper lui, hein? Bah, c'est que la femme! C'est pas possible! Mais attendez, c'est. Bon, bah! Ah voilà, j'ai encore dit cette fameuse phrase, ce n'est pas possible! Mais les amis, c'est incroyable! Depuis le retour de ce mode, c'est seulement ma troisième tentative, et c'est ma troisième réussite dans celui-ci. Autrement dit, oui, vous l'avez bien compris, hein, je n'ai fait aucun échec, je n'ai commis aucun échec pour l'instant. Ah, mais c'est formidable! Mais je ne m'y attendais pas du tout, ben non. Et en plus, là, je pensais qu'on aurait eu le temple perdu, ou Bazar Royal surtout, hein. Et j'avais suivi quelques streamers jouant à ce mode, et qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir? Le temple perdu. D'ailleurs, ils étaient bien plus nombreux que ça aussi, hein. Alors que, de mon côté, j'ai eu de la chance. Quoi? Je me suis qualifié en deuxième place, et c'est une plaque en bronze que j'ai eu?
Bon, après on s'en tape de ça, mais le principal c'est que j'ai pu faire Topa, c'est fabuleux. On dirait que ce skin a une porte de chance, ça n'a rien à voir avec le skin du Dada que j'avais eu, qu'il y avait quoi à l'époque, dès la sortie du jeu. Ouais, parce que quand le jeu est sorti, on avait plusieurs skins forcément, et puis il y en avait un avec le Dada là. Et je me rappelle, j'avais essayé de faire Topa avec ce dernier, mais oh lolo, j'ai échoué plein de fois, je n'y arrivais pas. Alors que celui-là, bah, lui ressemble, et puis bah, j'ai une porte quand même bien chance. Hein. Bon, tant mieux, je suis très heureux. Et là encore, vous l'aurez bien capté. Je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos en direct hein, sur Fall Guys, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, même si je vous l'avais dit hein, dès le début de l'année, notamment dans ma vidéo des vœux. Je compte faire plus de vidéos en direct, non seulement, et plus de concepts de différents, comme plus de débats, enfin ouais, et puis des autopes aussi également. Et c'est toujours prévu, ne vous inquiétez pas. Allez, portez bien surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Bye.